Pour lutter contre les émissions de CO2 et combattre le dérèglement climatique, les infrastructures de travaux publics ont leur rôle à jouer. En participant à l'entretien des chaussées, par exemple. Sur une chaussée dégradée, un poids lourd émet 4 à 6 % de gaz à effet de serre de plus. Pour un véhicule léger qui roule plus vite, c'est 12 %. L'entretien des routes constitue donc pour la France et ses 1 103 773 km de réseau routier un enjeu environnemental. Un enjeu d'autant plus important que 19 % du réseau national et 12 % du réseau départemental sont en mauvais état. L'entretien de la chaussée implique de bien choisir son moment. Préventif, réalisé tôt, il est le plus économique. À défaut, il faudra mettre en place un entretien curatif pour corriger les défauts, parfois dangereux, apparus avec le temps et l'usage. Dans les cas les plus graves, on parle de réhabilitation lourde, une opération profonde, coûteuse et qui doit correspondre à des enjeux stratégiques. Mais quels que soient les besoins, des moyens existent. Auscultation des chaussées, relevé automatique de l'état des routes, imperméabilisation et restauration de l'adhérence, réfection de nids de poules, revêtements spéciaux. Entretenir les chaussées, ça n'est pas seulement garantir le confort et la sécurité des conducteurs, c'est aussi agir pour la planète. Et les entreprises de travaux publics sont là pour ça.